Dans cette vidéo, je vais te montrer comment supprimer un domaine sur Shopify. Alors déjà, ce que tu vas faire, c'est venir cliquer ici tout en bas sur paramètres. Là, ce que tu vas faire, c'est défiler. Et là, tu vas venir cliquer ici sur domaine. Et là, tu vas te renvoyer vers cette page-ci. Alors là, maintenant, tu vas retrouver ici les différents domaines que tu as eu à ajouter à ta boutique Shopify. Moi, dans mon cas, je n'ai qu'un seul domaine et c'est le domaine principal attribué par myshopify.com. Alors, si tu as eu à ajouter un autre domaine, ce que tu vas faire, c'est tout simplement cliquer sur le deuxième domaine que tu as ajouté. Et tout en bas de ton écran, sur le côté gauche, tu vas retrouver le bouton supprimer. Tout ce que tu auras à faire, c'est cliquer sur ce bouton supprimer là. Et lorsque tu vas confirmer la suppression, ton domaine sera automatiquement supprimé. Alors, c'est aussi simple que ça.